Au Mali. Notre visite ici au Mali, c'est pour soutenir le mouvement Yerewolo, qui est l'objectif est de dire à la France, merde, à la France de se plier. Nous aussi, on a la même idéologie, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Oui, c'est pour cela qu'on est là, c'est parce qu'on est engagé depuis le Burkina Faso, qu'on s'est déplacé venir ici. Je vous assure qu'au Burkina Faso, les gens sont plus mobilisés aussi. Eux, ils veulent une coalition, une collaboration avec ceux du Mali pour se lever, se dire non à la France en Afrique de l'Ouest ici. Et nous disons aussi à ceux, aux Maliens de Gourouillet, on est toujours derrière eux. Ce que j'ai dit, l'appel que je lance à la jeunesse burkinabé, c'est de dire vraiment il faut qu'on se lève, il est temps. Il ne faut pas qu'on va s'arrêter toujours, attendre le chef d'État pour qu'il prenne les décisions, car ils ne vont pas le faire. Aujourd'hui, notre destin est dans nos mains. Pour que la France parte aujourd'hui, il faut vraiment que la jeunesse se mobilise, tout le monde saute dans les rues pour dire non et merde à la France. Ce grand meeting est très intéressant pour nous parce qu'il est temps que Barkhane, qui est en train de changer de nom en Takuba, puisse réellement dégager du Mali. Et que la France des politiques, donc M. Macron, est alliée. Parce qu'il n'y a pas que Macron dans cette affaire, il y a l'Union européenne qui est avec lui, il y a plusieurs pays européens qui soutiennent la France dans cette politique, ou qu'il faudrait que ce soit la France qui décide au Mali. Donc nous disons qu'il est temps que l'armée française quitte les terres maliennes, non seulement les terres maliennes, mais les terres africaines. Partout où il y a les bases militaires, nous voulons le démantèlement de ces bases militaires. Mon message, il est très clair, il faut que la jeunesse se batte pour son avenir. Parce que si cette jeunesse ne se bat pas, elle demeurera éternellement embrigadée. Il faut qu'elle prenne son destin en main. Parce que cette même jeunesse qui quitte l'Afrique pour aller à l'extérieur, pour chercher une vie meilleure, cette jeunesse-là est décimée. Elle meurt dans la mer, elle meurt au désert, elle est sans papier, elle est maltraitée. Vaut mieux que cette jeunesse prenne conscience qu'elle doit rester en Afrique, elle doit se battre, elle doit travailler en Afrique, elle doit se battre pour le développement de l'Afrique, voilà, pour son avenir.